tellement de temps que je suis pas allée. Et là, je suis allée un soir, j'avais un petit peu de temps pour y aller, j'étais trop méga contente. Et j'ai fait bien sûr pas tous les rayons parce que c'était vraiment le bazar malheureusement dans le Primark de Lille. Mais j'ai fait mes petits rayons Harry Potter, beauté. J'ai pas forcément regardé les vêtements pour moi parce que j'en ai tellement dans mon armoire que je vais attendre de faire du tri dans mon armoire. Si vous me voyez en mode belle gosse, c'est normal. Aujourd'hui j'ai fait mes 10 ans de mariage avec mes amis. Et du coup bah je me suis fait un petit peu jolie et j'ai mis d'ailleurs mes fameux faux cils aimantés que j'adore. Du coup, j'essaierai de vous mettre les références, si ça vous intéresse, de mon make-up en barre d'infos si j'y pense. Sinon, n'hésitez pas à me le redire. Et on passe tout de suite au haul avec tous mes achats Harry Potter. Et puis, des petits bonus aussi avec des vêtements pour mes enfants, etc. Quand même, j'ai été voir pour tout le monde. Donc, on a vraiment, vraiment craqué il y a 3 sacs. Au niveau Harry Potter, j'ai trouvé ça. J'ai hésité à le prendre et tout. Vous savez, c'est plus pour décorer un lit, quelque chose comme ça. Mais après j'ai eu une idée, donc il était à 9€, donc c'est pas donné mais il est vraiment très beau. Et j'ai eu une idée, je me suis dit que dans ma classe j'allais essayer de faire, si on peut bien sûr par rapport au protocole d'hygiène etc, faire un petit coin lecture avec des petites décos Harry Potter. Donc j'ai pris des petites choses pour installer un petit coin lecture si j'y arrive hein, parce que quand même on est nombreux dans ma classe. Donc je vais essayer de trouver une idée, voir comment je peux organiser ça. Je vous montrerai ça dans des vlogs maîtresses. Et du coup je voulais faire ça dans ma classe, donc j'ai pris ça pour mettre dans mon coin lecture. Et j'ai pris aussi le petit coussin comme ça avec la petite carte du maraudeur. Et il est vraiment très beau hein. Il était à 7€, donc je le trouve pas donné. Il est hyper bien compact, bien rigide, hyper rempli, mais il est quand même très beau. Toujours pour mon petit coin dans ma classe, à 8€, j'ai pris le fameux plaid Harry Potter. Il est comme ça avec le logo d'Hogwarts. Voilà, blanc, noir, sobre, il est trop beau encore une fois. J'adore, 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 j'adore. Pour ma rentrée, parce que oui, quand je l'ai vu, j'étais obligée. Je me suis dit, non, je peux pas ne pas résister. Pour ma rentrée des classes, vu que l'année prochaine, je fais encore une classe Harry Potter, il était évident que j'allais investir dans un sac Harry Potter. Il y en avait deux sortes, dans ce style-là, mais avec des logos différents. Les deux étaient beaux, mais j'ai investi avec Hogwarts, puisque Hogwarts, c'est l'école Poudlard, l'école des sorciers. Je me suis dit, bon, voilà, ça correspondait à mon délire à l'école. D'ailleurs, à l'école, maintenant, les parents m'appellent Madame Harry Potter. Hein. Donc voilà, il est trop beau, il était à 14€. Il y a des petits détails vraiment sympas. Donc là quand vous ouvrez, hein, ça, il n'y a pas de spécificité hein. Le deuxième qui était disponible, il avait une petite poche ici. Donc j'ai hésité à le prendre aussi parce que la petite poche c'est pratique pour mettre les petites choses et tout. Là il n'y en a pas et je suis pas sûre qu'on puisse mettre des trucs dans cette poche là hein. C'est pas très très pratique. Mais il est beau, donc voilà, sac à dos pour mettre mon iPad pour l'école. Encore une fois pour l'école. Ah ouais. On peut l'utiliser en trousse de toilette, je suis d'accord, mais moi je vais l'utiliser pour l'école. Hein. Tout ça, c'est vraiment pour l'école. Elle est magnifique, cette petite trousse. Elle était autour de 6€. Donc le combo, la trousse... Oh, bah, certes, elle est grosse hein, pour mettre dedans. Hein. Elle est grosse, mais le combo, ça revient à 20€. Je trouve que c'est des beaux cadeaux. Si vous avez des fans d'Harry Potter dans votre famille, ou même si vous, vous êtes fan d'Harry Potter, c'est des jolis cadeaux. Ils sont quand même très qualitatifs. C'est du Primark, mais on sent que c'est de la bonne qualité quand même. Donc j'adore, j'adore. Bon, dans ce haut là, vous l'avez compris, on est en mode Potterhead. Donc si vous êtes une fan d'Harry Potter, n'hésitez pas à mettre dans votre commentaire un petit smiley, vous savez, avec le sorcier ou le... J'essaierai de vous remettre ici parce que je sais plus ce qu'il y a comme smiley sur les téléphones. Mais voilà, essayez ou dites-moi tout simplement que vous êtes fan d'Harry Potter, comme ça je saurai que vous êtes parmi nous. Et j'ai pris aussi cette tasse, oui, alors je sais pas pourquoi je l'ai prise, elle était quand même à 9€, elle n'était pas donnée. Mais j'avais pas de tasse Harry Potter pour dans ma classe, pas comme ça. C'est une tasse avec du coup un couvercle qui permet de garder au chaud. Et j'ai pas trop compris, mais il y a un petit bouton. Et quand vous appuyez, ça tourne en fait. Et ça permet de refroidir votre thé, votre café, votre cappuccino. Je trouve ça trop cool en fait. J'ai trouvé ça trop cool parce que moi c'est vrai qu'à chaque fois que je me fais un cappuccino en classe, ben, il est toujours trop chaud. Et puis après quand j'y pense à le boire, parce que des fois je l'emmène en classe, je l'oublie parce qu'il est trop chaud. Et après il est trop froid. Donc voilà. Ça va être peut-être sympa, ça va peut-être cool. Je vous dis que ça peut être très 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 cool. Voilà, c'est un gadget, hein, on est d'accord. Mais il est beau, ça reste dans le même état d'esprit, vous avez vu, hein, dans le noir, dans le doré. J'aime bien. J'ai trouvé aussi encore une Edwige. Donc ça va être la troisième, la quatrième, la cinquième dans notre classe. Celle-ci va peut-être aller dans la classe de mon collègue, je verrai. Elle était à 12€, mais en caisse, elle est passée à 6. Donc il y avait une promo, je pense. 6€, si j'avais su, j'en aurais pris 2. Mais comme je l'ai vu qu'en caisse, j'ai dit bon, tant pis. Elle est quand même très très belle. Elle est beaucoup plus belle que celle que j'ai déjà dans ma classe. Donc je suis ravie. Elle est trop trop jolie.
Pour finir, pour ma classe, j'ai pris une bouteille d'eau comme ça, Harry Potter, encore une fois. Elle est trop belle, trop jolie. Et voilà, je pense que je vais la laisser vraiment tout le temps en classe. Je vais la mettre au frigo et la remplir régulièrement parce qu'à l'école, j'ai tendance à pas boire assez. Donc là, je n'ai plus d'excuses. Oui, je suis restée dans ma folie Harry Potter et j'ai trouvé un petit pyjama, voilà, débardeur pour cet été, Harry Potter en taille XL, il était à 8 € le duo là, le petit shirt et le petit t-shirt comme ça, manche courte, je le trouvais plutôt sympa, enfin voilà, il me plaisait, mais comme moi je suis une grosse frileuse, j'ai craqué du coup pour le, comment on appelle ça déjà, la robe de chambre Harry Potter. Alors faut que je regarde si elle me va, hein. Il n'y avait pas beaucoup de choix, c'était vraiment le bazar dans les pyjamas et tout, c'était fou, mais la robe de chambre voilà. Alors j'aurais préféré noir avec du doré, hein, comme tout le style qu'on a vu depuis tout à l'heure, ça aurait été encore plus classe, mais elle est quand même belle, et voilà pour mes journées d'hiver, c'était le clin d'œil. Honnêtement, je commence à devenir une grande fan d'Harry Potter, alors que je l'étais un petit peu à la base, mais pas autant, j'avais pas besoin d'acheter tous les gadgets et tout, mais là j'ai été contaminée, c'était ma faiblesse de fin d'année avant les grandes vacances et maintenant qu'on est en grandes vacances, ben voilà, j'étais contente. Donc il était quand même à 19 €, hein, cette robe de chambre, hein. Vous avez la capuche, la petite lanière pour le serrer autour de la taille, voilà, il est vraiment très beau Harry Potter, il est vraiment beau, donc j'ai hâte de pouvoir mettre tout ça pour être en mode cocooning aussi cet hiver. Et pour finir, dans le Harry Potter, j'ai pris le masque pour hydrater ma peau tout en ressemblant à Harry, oui, 2 €, et il y avait aussi le masque un peu style Voldemort, il était à 2,50 €, pourquoi plus cher, je ne sais pas, mais bon. Et pour mettre mes clés d'école en mode Harry Potter, je me suis dit qu'il me fallait le porte-clés Hogwarts, pour être voilà dans le même délire, on va à Hogwarts tous les jours quand je vais à l'école, mes élèves m'ont d'ailleurs fait plein de cadeaux Harry Potter, je vous mets la vidéo du vlog ici, là, quelque part ici. J'ai eu des cadeaux, mais de dingue, Harry Potter, des trousses personnalisées, une espèce de kit de survie spécial Professeur Karine avec le logo de Poufsouffle. Je vous montrerai évidemment tout ça sur Instagram, donc rejoignez-moi sur Instagram si c'est pas encore fait. Et dans la partie école, je pense que je vous montrerai tout ça en détail. Mais voilà, comme les parents savent que je suis dans l'ambiance Harry Potter, m'ont fait des cadeaux à ce niveau-là, il fallait que je complète mon trousseau de classe avec ça. J'étais obligée, et d'ailleurs il est à 3 € pour information. Pour mes enfants, on a pris une chose chacun, parce qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de vêtements. Pour mon dernier, on a pris cette petite veste, qui est exactement la même réplique que la veste que j'ai offerte à mon mari pour la fête des pères. Du coup, bah, il voulait l'acheter aussi pour son petit dernier, hein, comme ça, en mode beau gosse tous les deux. Mon fils, je lui ai acheté une petite chemise blanche pour justement cette journée aujourd'hui d'accueil. Donc elle est déjà lavée, elle est déjà sur lui. C'était à 7 €, je vous mets une petite photo. 7 € la petite chemise un peu col mao, elle est très belle. Et pour ma fille, je lui ai pris une jolie robe aussi, tout plein de paillettes, roses, tout ce qu'elle aime. Elle était à 18 € et elle l'a aussi sur elle, donc vous verrez cette photo. Elle l'adore et il y avait le petit sac à main avec pour compléter la robe, donc je trouvais ça très sympa. Ah oui, et pour ma fille, juste avant les caisses, je lui ai trouvé cette petite combi short. Elle est trop mignonne dans les combi shorts. Et celle-ci, couleur moutarde, je la trouvais très jolie. Elle était autour de 9 €. Donc elle est très belle. J'ai pris des grandes tailles pour elle, du 6-7 ans, parce que quand même, j'ai pas envie de lui racheter tout le temps. Et c'est le genre de tenue qu'on peut remettre un an sur deux. C'est pas porté 50 milliards de fois. Hein. Elle va le porter peut-être grand max 10 fois cet été s'il fait bon, hein, parce que ça commence pas à... terrible. Mais voilà, un petit combi short. Très mignon, resserré un petit peu ici avec un petit élastique. Elle est quand même très belle. J'ai hâte de lui tester d'ailleurs, de lui mettre pour voir ce que ça donne sur elle. Voilà pour mon haul Primark. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit smiley, Harry Potter, tout ça si vous êtes fan. Bon, si vous n'étiez pas fan d'Harry Potter, cette vidéo ne vous aura peut-être pas intéressé, peut-être pas plu, j'en suis désolée. Mais, oups! Mais je vous avoue que là, j'ai été contaminée par mes élèves, j'ai été contaminée par l'ambiance que nous avons créée dans notre classe. Si ça vous intéresse, je vous remets en barre d'infos les liens vers mes vlogs maîtresses où je parle un petit peu de mes projets Harry Potter si ça vous intéresse. Et ça peut peut-être vous donner des idées pour vos futurs cadeaux de Noël, tout ça, des futurs cadeaux d'anniversaire pour les enfants qui sont fans d'Harry Potter. On se retrouve très prochainement sur YouTube ou sur Instagram. Je vous fais des gros bisous. D'ailleurs, même sur TikTok. Oui, je me suis mise à TikTok. Bon, j'ai pas encore fait 50 milliards de vidéos, mais on verra si j'y arrive. N'hésitez pas à me rejoindre. Salut! Et pour les fans d'Harry Potter, regardez, j'ai un bracelet Pandora Harry Potter depuis peu. Cadeau de mes élèves. C'est pas merveilleux tout ça?